Raggedy He's Ann. So shiny. Ooh, bye, Luigi. Hey, anytime. Okay. Okie dokie. Golf. Toadstool Tour. Eh bien, bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69Zelos, bienvenue pour une nouvelle vidéo, une vidéo test toujours axée Mario Sport, comme vous pouvez le voir. La semaine dernière, on était revenu sur le Mario Sport de l'actualité, à savoir Mario Tennis Aces, et comme, si jamais vous avez vu la vidéo, eh ben, je porte clairement pas ce Mario Tennis Aces dans mon cœur, si ce n'est dans mon cul, sans déconner, faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que pour ma part, je vous résume, hein, je vous renvoie à la vidéo si vous voulez en savoir plus, pour ma part, Mario Tennis Aces est vraiment une catastrophe, véritablement, mais c'est une catastrophe dans le sens où, tu sens, ce qui est encore plus frustrant, ça c'est une chose que je n'ai pas, je l'ai dit dans la vidéo, mais apparemment ça n'a pas été compris. Tu sens réellement dans ce Mario Tennis Aces un gros potentiel, un très gros potentiel, mais qui est gâché par de l'amateurisme, par de la feignantise, par du bâclage, par énormément de choses qui font que pour ma part, ce jeu aurait pu être très bon, mais au final il a tellement été foiré que c'est devenu un jeu minable, franchement, minable. Tout intéressant qu'il pourrait être, c'est bien le subjonctif, mais au bout d'un moment, faut être dans le concret. Voilà. Et donc, pour le coup, ça m'a donné une petite poussée de nostalgie. Une petite poussée de nostalgie, parce que, à l'époque, Kaamelott et Nintendo faisaient de très bons Mario Sport. Ils en faisaient d'excellents. Comme notamment Mario Power Tennis, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil.
vraiment pour voir à quel point Mario Tennis Aces est une catastrophe. Hein. Encore une fois, hein, Mario Power Tennis, c'est 2003-2004. Hein. Je dis, c'est voilà, vous comparez le contenu et la réalisation, c'est impressionnant. C'est juste impressionnant, mais bon. Il y avait également Mario Smash Football, que je n'ai pas encore présenté. J'ai présenté la version Wii, mais pas la version Nintendo GameCube. Ça arrivera un de ces quatre, peut-être la semaine prochaine, si jamais j'ai l'envie. On verra bien. Mais il y avait également cette série, parce que autant Mario Smash Football, il n'y a eu que deux jeux, un sur GameCube et un sur Nintendo Wii, mais Mario Golf, c'est un jeu qui a eu exactement la même estime que les Mario Tennis. Il y en a eu sur Nintendo, il y en a eu un sur Nintendo 64. Ce Mario Golf Toadstool Tour que l'on voit sur Nintendo GameCube, donc sorti en 2004, développé par Camelot, c'est-à-dire les mêmes qui sont à l'origine de la catastrophe de Mario Tennis Aces. Pareil pour les autres Mario Tennis, hein, je veux dire, c'est les mêmes. Si tu te demandes, je dis, c'est Sonic Team, c'est la Sonic Team maintenant, c'est impressionnant. Enfin bon, bref, au-delà de ça, je ne crois pas qu'il y ait eu de Mario Golf sur Nintendo Wii, du moins je ne pense pas. Cependant, il y en a eu un également sur Game Boy Color, il y en a eu un sur Game Boy Advance, et également sur 3DS, et sur 3DS, là, à l'inverse de Mario Tennis, eh ben j'ai le jeu, j'y ai joué à Mario Golf sur 3DS, je me souviens plus comment il s'appelle. Et au final, eh ben, c'était assez décevant. Encore une fois, un contenu que je trouve beaucoup trop rachitique. Et une direction prise que je ne comprends pas avec notre Mii qui est véritablement mis en avant. Mais bon, peut-être qu'un jour je vous parlerai plus en détail de ce jeu. Mais au final, aujourd'hui, on va s'attarder sur Mario Golf Toadstool Tour. Qui pour ma part est, comme Mario Power Tennis, le meilleur jeu de Mario Golf sur console, enfin sur console de salon, enfin même en incluant les jeux sur console portable, je trouve que Toadstool Tour est véritablement le meilleur, mais dans tous les sens, hein. C'est-à-dire pour ma part, il est magnifique, comme vous pouvez le voir, et comme vous le verrez in-game, il est magnifique à l'œil, ça fait partie des jeux Nintendo qui ont, Nintendo GameCube, pardon, qui ont très très bien vieilli à un point que ça en devient bluffant. Il y en a énormément des jeux comme ça sur GameCube, mais je vous laisse encore une fois avec cette cinématique alors qu'on aurait pu très bien appuyer sur Start et au final commencer la review tranquillement parce que j'ai énormément de choses à dire, donc ça va être une vidéo très explicative, donc je suis désolé si ça va prendre beaucoup de temps et si je vais parler énormément. Mais pourquoi est-ce que je laisse encore une fois cette introduction? Déjà parce qu'elle est bien fun, elle est bien marrante, et encore une fois, comme dans Mario Power Tennis, les mecs de Camelot se sont laissés aller en se disant, bah, c'est un Mario sport, on va rigoler, voilà, on va rigoler, et il y a ça pour Mario Tennis, pour Mario Golf, pour Mario Smash Football, il y avait ça à l'époque pour Smash Bros, mais ça n'existe plus, et c'est le point que j'ai envie d'aborder avec les Mario récents, à savoir le manque de hype une fois que tu allumes la console. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus. Mais pas uniquement dans les Mario, hein, dans énormément de jeux. Dans énormément de jeux, il n'y a plus ce genre de choses-là. Alors, faut choisir, évidemment. Faut choisir quel genre de jeu... avec quel genre de jeu ça, ce concept se prête. Mais je dois vous avouer que moi, ce genre de choses, à savoir les introductions, quand vous mettez la console sous tension et que vous lancez le jeu, ça me manque. Ça me manque. Et je te parle de véritables cinématiques d'intro qui te donnent la hype. C'est-à-dire peut-être des trucs qui font partie du jeu, pourquoi pas, mais ça peut être également des cinématiques créées de toutes pièces qui te donnent véritablement envie de rentrer dans le jeu. Ça rajoute de l'identité au jeu. Mario Tennis Aces, souvenez-vous, vous mettez la console sous tension, vous lancez le jeu, aucune introduction, rien du tout, on vous balance directement dans le mode aventure. C'est-à-dire, la cinématique que vous voyez, c'est pas la cinématique de Mario Tennis Aces, non, c'est la cinématique du mode aventure de Mario Tennis Aces. Peut-être que pour vous, c'est un petit détail à la con et qu'au final, on s'en fout, mais je suis désolé, pour ma part, ça manque.
Je veux dire, par exemple, moi j'ai été marqué, pour rester dans les Mario Sport, j'ai été marqué à vie de la cinématique d'introduction de Mario Smash Strike Charged Football, il est chiant à dire ce nom, sur Nintendo Wii. La musique, le fait que ça pète de partout, la mise en scène, c'était génial pour te foutre la hype, quoi. Et malheureusement, ça n'existe plus et ça me rend triste. Mais bon, ce Mario Golf Toads de le tour, on appuie sur Start et on y go. On appuie sur Start et qu'est-ce que l'on voit dès le départ? Que ce jeu nous offre plusieurs options, à savoir un mode 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, évidemment, je veux dire, on est sur Nintendo GameCube. Au-delà de ça, on peut jouer à 4 joueurs avec une grosse particularité, évidemment, parce que c'est un jeu de golf. Vous savez à quoi ressemble le golf, je vais pas vous expliquer les règles, si jamais ça vous intéresse, vous aurez qu'à aller sur Wikipédia, Google est ton ami, mais c'est un, vu que c'est un jeu de golf, eh ben on a la possibilité de jouer à 4 joueurs avec une seule manette. Avec une seule manette. C'est-à-dire les développeurs ont codé le fait de pouvoir jouer à 4 joueurs en utilisant la manette une seulement. Il y a très peu de jeux qui permettent ce genre de choses-là, ce qui est normal parce qu'il faut que le style y soit approprié. Comme autre exemple de cela, il y a également Worms. Worms 3D qui était sur Nintendo GameCube, je vous en ai fait un test également. Quoique je l'ai supprimé à cause des droits d'auteur. Ah bah désolé, il faudra que je la refasse, un de ces 4. Mais bon. Worms 3D permettait cela aussi, vu qu'on joue chacun notre tour, eh ben autant prendre une seule manette, quoi. Je dis ça, c'est toujours intéressant et intelligent. Donc, les modes de jeu se dévoileront dans ces onglets-là. Un joueur, deux joueurs, trois joueurs, quatre joueurs, on a les leçons, apprendre à jouer et avoir les techniques. Ça, c'est tout simplement le mode tutoriel que je vais vous expliquer une fois qu'on aura lancé une partie. Continuez, c'est si jamais vous avez sauvegarder une partie, un tournoi ou une partie quelconque, vous pouvez la continuer de ce côté-là. Voilà, donc moi j'avais sauvegardé ça, je ne sais pas pourquoi, pour vous montrer certainement à quoi ça ressemble. Bref, et le mode option, voir les statistiques et modifier les paramètres de jeu, il n'y a rien de bien intéressant, voilà, accéder à la gestion des données pour supprimer ce genre de conneries, rien de bien fouillis. On entre directement dans la sélection des personnages, car il va falloir qu'on choisisse notre personnage avant de pouvoir choisir le mode de jeu. Comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 personnages sont disponibles dans ce Mario Golf Toads Doll Tour. Bonjour à Birdot hein, qui... et à Diddy Kong, hein, qui ne sont pas dans Mario Tennis Aces et qui vont revenir au mois de septembre, de ce que j'ai vu. Pas besoin de les débloquer, hein. Pas besoin de les débloquer, apparemment ça va être un DLC gratuit. Donc encore une fois, on va débloquer des personnages juste en téléchargeant un putain de fichier sur internet. Même pas en réalisant une coupe ou quoi que ce soit, bah non c'est trop intéressant. Bref,
Au-delà de ça, attends, je vais pouvoir utiliser d'ailleurs un exemple pour cet argument. Vous savez quoi, regardez. On a peut-être 16 personnages qui sont à notre disposition. Mais au départ, il me semble qu'on en a que 4. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. On en a que 4. Et comment est-ce qu'on débloque les personnages? Au départ, on va avoir, il me semble, Peach, Koopa et Yoshi, certainement. Yoshi ou Diddy Kong. Au départ, on en a que 4. Et pour pouvoir débloquer les personnages suivants, comme dans Mario Golf sur Nintendo 64, j'ai fait un test également. Je vous invite à aller le voir pour aller le voir. Vous faites un mode duel. Et arrive. Et en fait. Ah non, excusez-moi, je me suis complètement planté. Je me suis trompé avec Mario Tennis sur Nintendo 64. C'est-à-dire en fait, des personnages jouables, on les a quasiment tous dès le départ, mais en format normal. Voilà, on les a en format normal. Les seuls qu'on n'a pas dès le départ, c'est Boo, ainsi que Flora Piranha. Vous avez vu qu'il m'en manque deux. Alors, je sais lesquels il me manque. Il me manque Bowser Jr. Il me manque Bowser Jr. parce qu'il faut réaliser une mission pour pouvoir le débloquer. C'est de cette façon qu'on devrait débloquer les personnages jouables. Et ça existe depuis la nuit des temps, depuis la création du putain de jeu vidéo. Mais non, apparemment c'est trop compliqué pour des jeux qui sortent en 2018. Donc il me reste Bowser Jr. à débloquer, ainsi que je crois Shadow Mario, qui est un... Je ne sais pas si c'est Shadow Mario, Metal Mario, parce que Metal Mario était disponible dans Mario Tennis sur Nintendo 64. Ou alors Shadow Mario, qui c'est en fait le Mario de Mario Sunshine en fait. Je ne sais pas vraiment, parce que je les ai jamais débloqués, pour tout vous dire. Shadow Mario, je ne sais pas comment le débloquer. J'avais regardé une Solus à l'époque, mais... Ah, si, je sais. Si, je sais. C'est qu'il faut terminer un certain mode. Mais de toute façon, c'est quasiment tous le cas. Boo, par exemple, je l'ai débloqué en... je l'ai débloqué tout simplement en réussissant à terminer un mode de jeu particulier. Et ça a été pareil pour Flora Piranha. Mais il y a une grosse différence, c'est qu'au départ... les personnages sont tous en mode classique, c'est-à-dire non étoilé. Hop là, comme là par exemple, Birdo, en personnage dit classique, elle tire à 209 yards maximum. En personnage étoile, elle tire à 255 yards. Voilà, ça existe dans Mario Golf, ça existe dans Mario Tennis, et c'était la raison qui nous poussait à jouer au jeu. Même si on pouvait jouer avec la plupart des personnages jouables, eh ben, on avait quand même un intérêt. On avait quand même un intérêt d'essayer de battre en duel les personnages devant parce que ça nous permettait de débloquer ces personnages-là en étoile et donc de réussir les tournois étoiles. Je veux dire, on est dans Mario Golf. Excusez-moi si je vous casse les couilles avec Mario Tennis Aces, mais c'est pour que vous... Parce que je vois que ce jeu se fait qualifier de bon jeu. Non, faut arrêter, je suis désolé, c'est pas possible, j'aime bien essayer de discuter, j'aime bien échanger des idées, mais quand un jeu est mauvais, via des faits, il est mauvais, je suis désolé. Au départ, on a un seul tournoi, c'est le mode tournoi classique que l'on peut faire avec les personnages normaux, comme par exemple Mario, dans sa forme normale, il tire à 212 yards, dans sa forme étoile, il tire à 280 yards. En quoi c'est différent? Bah c'est simple, c'est que tout simplement le mode tournoi normal, c'est un mode de tournoi classique. Une fois que vous avez terminé tous les tournois dans les 6 terrains disponibles, le mode tournoi étoile se débloque et c'est grâce au personnage étoile que l'on va réussir à faire de très bons scores. Sachant que la difficulté augmente grandement, je veux dire, il y a beaucoup plus de vent, la balle est beaucoup plus affectée par le climat, la pluie, le vent, et également le green en fait est un green rapide. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail un petit peu plus tard. Mais donc voilà, pour pouvoir débloquer ces personnages en mode étoile, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un duel contre un autre personnage. Il va y avoir un personnage qui va vous envoyer une invitation, vous répondez à cette invitation, ce qui est tout simplement un duel de golf, vous faites ce duel. Et une fois que ce duel est remporté, vous débloquez le personnage en mode étoile. Encore une fois, ça donne un intérêt malgré le fait que 80% des joueurs sont déjà jouables dès le départ.
Eh oui, c'est voilà, mais c'est comme ça que doit se faire un Mario Sport. Donner l'envie, donner des récompenses. Même un film, on s'en fout. Donner quelque chose à gagner si jamais on réussit les modes de jeu. Mais enfin bon, au-delà de ça, on va prendre Mario hein, pour faire la présentation. Excusez-moi, petite coupure, le micro a pété son câble. Mais voilà, donc j'essaye de condenser comme un sac pour pas que la vidéo dure ultra longtemps. Mais parce que... Enfin, vous allez voir. Voici tous les modes de jeu qui sont à notre disposition. Comme je vous l'ai dit, tournoi étoile. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, c'est tout simplement un tournoi. Vous réalisez les 18 trous. Vous réalisez les 18 trous de tel ou tel parcours. Comme vous pouvez le voir, il y a 6 parcours, 7 en fait. Il y en a véritablement 7. Pourquoi il n'est pas là, vous le verrez un petit peu plus tard. Donc vous avez la coupe là qui tue. Le tournoi cuit-cuit. Parce que voilà, cuit-cuit. Le classique désert, l'open cocotier, le trophée Peach et le championnat Bowser. Il y en a un autre, mais qui est uniquement présent dans les mini-jeux, je crois, ou alors dans les parties coup par coup. Je vais vérifier ça, qui est le mode exhibition. Voilà, il est juste ici. Voilà, donc ça, c'est les hauteurs tropicales. À la base, c'est un terrain qui est là uniquement pour un mini-jeu, parce que ce n'est pas un véritable parcours de golf, c'est-à-dire c'est... uniquement des coups en par 3. Voilà, c'est uniquement des coups en par 3. C'est pour ça que c'est des très petits coups. Je vais pas vous expliquer les règles, les termes techniques du golf. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Voilà, je suis désolé, mais ça prendrait énormément trop de temps. Donc on a le tournoi étoile à faire, le tournoi classique avant le tournoi étoile, évidemment. Le mode duel qui nous sert tout simplement à débloquer les persos étoiles. La partie coup par coup qui est tout simplement le mode exhibition, voilà, c'est le mode de jeu classique. Les doubles, jouer en équipe et frapper la balle chacun votre tour, c'est tout simplement le mode équipe, voilà, le mode team match. Le défi anneau, alors là le défi anneau, ça c'est quelque chose qui existe également dans Mario Tennis, hein, sur Nintendo 64 et même dans Mario Power Tennis d'ailleurs, si ma mémoire ne me fait pas défaut. La particularité, je vais vous le montrer quand même, on va juste faire un petit coup. Il y a différents défis à réaliser qui concernent à chaque fois le fait de faire passer la balle à travers un anneau. On va faire le premier vite fait, même si celui-là je l'ai fait. Comme vous pouvez le voir, j'expliquerai le gameplay un petit peu plus tard. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y a un gros anneau là. Sauf que, qu'est-ce que ça va être le but? Le but va être tout simplement de faire passer la balle à travers tous les anneaux qui sont présents sur le terrain, parce que là il n'y en a qu'un seul, mais il peut y en avoir 2, 3, voire même 4. Mais il faut réussir quand même à faire rentrer la balle dans le trou en... C'est là où on rentre dans une phase règle. En gros, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est tout simplement trou 18 par 4. C'est-à-dire, c'est le 18e trou de ce parcours, et le par 4, en fait, c'est le nombre de coups qu'il me faut au maximum pour ne pas perdre de points. Voilà, en gros, c'est ça. C'est-à-dire, je dois mettre la balle dans le trou en 4 coups. La particularité de ce défi, c'est que je dois quand même, malgré ça, faire passer la balle dans l'anneau. Donc là, pour le coup, c'est le premier, donc il n'y a rien de bien... Hop là, y a rien de bien compliqué. Voilà. Donc ceci étant fait, une fois qu'on a terminé de traverser tous les anneaux, ce qu'il va falloir faire, c'est envoyer la balle. Hop là, envoyer la balle dans le trou directement. Alors le gameplay, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, hein, quand on fera un véritable terrain. Oh putain, mais c'est un beau coup ça. Ouh. Attention, il y a du level. Allez, hop là. Donc là, je l'ai fait en 3 coups. C'est terminé. Le défi est réussi. Voilà, voilà. Et il y en a quelques-uns quand même. Vous pouvez voir, il y a 6 défis à faire avec tous les terrains, sauf hauteur tropicale, je crois. Et en fait, si vous voulez, c'est de cette façon que l'on débloque Shadow Mario. C'est-à-dire, il faut terminer le mode... Il faut terminer le mode ring, voilà, le mode anneau. Comme là, par exemple, j'ai piste aux anneaux. Donc, on peut voir une présentation, voilà, de comment ça se passe. Donc, il y a apparemment 2 anneaux, 3 anneaux à traverser, certainement sur un terrain par 5.
Ça, je ne sais pas, on verra bien. C'est bien ça, donc un terrain par 5. Donc pour le coup, il va falloir que je réussisse à faire passer... Hop là, un petit peu trop fort, on va la faire reculer. Salope, recule, recule. Heureusement, j'ai pris Mario, parce que Mario, il a une trajectoire de balle qui est véritablement très droite. Voilà. Il a une trajectoire de balle qui est assez droite, donc pour le coup, ça m'aide grandement. Où est-ce que tu vas aller? Ça devrait le faire. Allez. Hop. Et... Ouf. Putain, heureusement, ça a compté. Malheureusement, j'ai mal tiré. J'ai mal tiré, donc je vais être un peu dans la merde. Alors, attends. Est-ce que tu passes... Eh non, tu passes pas à l'intérieur de l'anneau, là. Là, tu passes à l'intérieur. Alors, attention. Ah, merde. Bon, ça devrait passer. Voilà, par contre... Et ouais, je suis loin. Heureusement, j'ai fait un plutôt bon parcours. Alors... Hop là, ça le... Ah, pas assez fort. Pas assez fort, en plus le terrain est en montée. Eh ouais, c'est dommage. Mais bon, je vais quand même réussir. Je pense, hein, j'espère. Je vais pas faire comme moi, Luigi. Voilà, merci. Défi terminé, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, une fois que vous avez débloqué absolument tous les défis, une fois que vous avez réussi tous les défis, vous débloquez Shadow Mario. Donc voilà pour le mode ring, voilà pour le défi anneau. Ah, on est revenu tiens, sur l'écran, je savais pas ça. Au passage, bah tiens, je vais en profiter pour vous montrer comme quoi absolument tous les personnages ont leurs propres caractéristiques, que ce soit dans la hauteur de la balle ou alors dans l'angle de la balle, comme Mario par exemple. Mario, c'est un personnage qui frappe avec une trajectoire assez haute, mais qui a un effet véritablement... Enfin, au moment de l'impact, la balle partira droite, comme vous pouvez le voir, c'est la grande flèche orange là. Il y a des extrêmes, hein, évidemment, comme lui par exemple, donc Flora Piranha qui, elle tire un maximum en l'air et tout droit, voilà. Il y a d'autres personnages, comme par exemple, je crois que c'est... Hop là, voilà Wario, qui, quant à lui, il tire véritablement très bas. Mais par contre, il a un effet de malade sur la gauche. C'est-à-dire, dans tous les cas, dans n'importe quelle situation, sa balle aura un effet qui partira de la gauche et qui reviendra vers la droite. Ne pensez pas, ce n'est pas du tout un handicap. Hein. Ce n'est pas du... Parce que expliqué comme ça, on peut le penser, mais ce n'est pas du tout un handicap. Ça va souvent être utile pour vous sortir de certaines situations difficiles, hein, comme si jamais vous arrivez à un endroit où sur tout le côté gauche et sur le centre, vous avez un obstacle, et ben avoir un personnage comme Wario qui a un gros effet sur la gauche pour pouvoir frapper, là ça peut vous sauver d'une certaine situation. En général, moi je prends Mario ou Donkey Kong pour pouvoir faire des balles. On va prendre des cas, tiens. Voilà, on va prendre des cas pour pouvoir montrer un gameplay différent. Donc, le mode duel, le défi anneau, ça je vous l'ai montré. Le jackpot, alors ça, ça c'est un mode qui est très fun dans le mode multijoueur. C'est-à-dire, vous allez essayer de faire les trous, de faire un parcours de golf, mais avec seulement certains clubs. Seulement certains clubs, c'est-à-dire vous n'aurez pas accès à absolument tous les clubs. Vous avez le bois 1, 2 et 3, je crois. Le fer de 3 jusqu'à 8 ou 9, je sais plus. Et deux autres clubs qui sont là véritablement limite pour les approches, quoi. Mais je vais pas vous expliquer, allez vous renseigner. Ce serait trop long, je suis désolé, ce serait beaucoup trop long. Mais bon, en gros, avec ça... ça nous permet, voilà, de choisir entre 3 ou 4 rouleaux. Comme là, par exemple, je peux avoir 4 clubs maximum. Je dis bien maximum, parce qu'il y a de fortes chances. Si jamais vous obtenez une étoile, ça vous prend la place d'un club. C'est-à-dire, vous n'aurez pas de club à la place de cette étoile. Si jamais vous obtenez 4 étoiles, là, par contre, vous avez tous les clubs. Voilà, vous avez tous les clubs. Et c'est un mode jackpot, c'est une roulette. C'est plutôt sympa. Voilà, moi, j'aime bien ce mode de jeu. Le défi pièce, récolter le plus de pièces possible. Je dois vous avouer que c'est un mode de jeu qui ne m'a jamais intéressé. Mais genre jamais. Je dis, c'est impressionnant.
Le golf de vitesse, alors ça c'est entrer les balles du parcours le plus vite possible, c'est un speedrun entre guillemets, il faut terminer le parcours le plus vite possible, ce qui est vachement sympa, je crois d'ailleurs que c'est en terminant ce mode là que l'on débloque Boo, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Objectif drapeau, alors approchez-vous le plus près du trou en un coup, c'est-à-dire on est uniquement sur ce terrain là, donc les hauteurs tropicales comme je vous l'ai dit, et le but... Bah, c'est assez simple, hein, c'est qu'en un seul coup, il faut se rapprocher au maximum du drapeau. Donc là, on va essayer de faire un bon petit coup. Ah, un petit peu trop fort. Un petit peu trop fort, j'ai fait le backspin en espérant que ça fonctionne bien. Ah, fuck, dommage. Bon, on est toujours sur le green. 5,56 mètres, ça passe. Sachant que si jamais vous n'êtes pas sur le green... Peu importe la distance, ça peut être je ne sais pas, si vous êtes en dehors du green et que le poteau est à genre 4 mètres de vous, fuck that shit, vous êtes en dehors du green, on vous mettra 30 mètres dans la gueule. Et donc voilà, c'est de cette façon que l'on joue, ni plus ni moins. Hop là, beaucoup trop fort, encore une fois, j'ai fait un petit backspin pour ralentir la balle et la faire revenir. Oh, le trou en un, t'imagines ? T'imagines le trou en un ? Ouah ! Putain, ça aurait pu. Ça aurait pu. Enfin voilà, vous savez à quoi... En quoi consiste ce mode de jeu. On va pas le faire, hein, parce que... C'est assez long. Et puis surtout, là, ce que l'on va faire, c'est un véritable mode exhibition. Donc toujours avec Donkey Kong. Pour pouvoir vous montrer le jeu pleinement. Objectif drapeau. On a plein de mini-jeux. On a plein de mini-jeux qui sont à notre disposition. Bon, c'est plus des défis, voilà. Le défi birdie, on le fera en fin de vidéo. On le fera en fin de vidéo, pourquoi ? Parce que c'est un défi, justement, que je dois réaliser pour pouvoir débloquer Bowser Jr. Voilà, et je ne l'ai toujours pas débloqué à l'heure actuelle. La pratique du lancer, donc travailler votre technique avec quelques coups. Donc ça, c'est des coups de loin. La pratique de l'approche, ça c'est essayer de se rapprocher le plus possible du drapeau en faisant ce que l'on appelle une approche, c'est-à-dire un coup qui est véritablement proche du drapeau. Ah, ensuite, la pratique du putt, donc ça c'est quand vous êtes sur le green, directement. Enfin, et sinon un mode entraînement classique. On va pouvoir attaquer, donc partie coup par coup. Lequel va-t-on choisir? On va choisir le parcours classique. Classique ou cuit-cuit? Moi j'aime bien cuit-cuit. Mais du cuit-cuit. Ouais, j'aime bien le cuit-cuit. Pourquoi j'ai pris cette voix? Faut arrêter, il y a cuit-cuit. Bon, je pense qu'on va prendre celui-là, hein, la cascade cuit-cuit. On va prendre la cascade cuit-cuit. Vous notez que vous avez la possibilité de customiser votre... de customiser votre partie, à savoir jouer la totalité du parcours, jouer uniquement les 9 premiers, les 9 derniers trous, 9 trous qui sont pris totalement au hasard, 6 ou 3. Voilà, Mario Tennis Aces, tu vois, ce Mario Golf, il a très bien compris. Tu veux faire une partie rapide, pas de problème, on te donne la possibilité de faire 3 trous au hasard, 6 ou 9, allez, si t'as un petit peu de temps. Mais pour ceux qui veulent véritablement une bonne expérience de jeu de golf, tout arcade que ce Mario Golf soit, eh ben, on t'offre la possibilité de jouer les 18, les 9 premiers ou les 9 derniers. Y a pas de « Oh bah, tu as réussi 2 trous, c'est bon, t'as gagné !» Putain de merde, bref. Avec également la possibilité de frapper, c'est l'aire de départ, de frapper sur le front tee, donc l'aire de départ avant ou l'aire de départ arrière, la différence c'est tout simplement la distance. Voilà, la distance et le positionnement de départ, ni plus ni moins. Eh ben écoutez, on va faire ça, et on a également la possibilité de changer le green, regardez en haut à droite, on peut choisir si jamais on a le green de tournoi ou le green classique. Donc le green ordinaire c'est un green normal. Et le green de tournoi, par contre, c'est un green qui accélère grandement la vitesse de la balle. Donc il va falloir faire gaffe à ce niveau-là. On va pouvoir jouer après 34 putains de minutes d'explications. Et vous savez quoi? Les explications ne sont pas finies. Parce qu'il faut vous expliquer le gameplay maintenant. Ah, Fatieu! Je bois un coup. Profitez de la musique, tiens, écoutez ça parce que c'est vraiment un très bon point du jeu.
Ah, voilà. Donc les musiques de ce Mario Golf sont vraiment très sympas. C'est vraiment très sympa, ça, on rentre bien dans l'ambiance. Puis encore une fois, c'est des bonnes créations, quoi. C'est parfait. C'est parfait comme musique d'ambiance pour ma part. Alors, vous avez vu tout ce bordel, l'interface à l'écran? On va commencer du haut vers le bas, de la gauche vers la droite. Est-ce que ça vous va? Ça vous va très bien. Donc, qu'est-ce que l'on a en haut? Ah, qu'est-ce que l'on a en haut? À gauche, la droite et la gauche, Zelos, putain. En haut à gauche, vous avez une indication sur le numéro du trou, donc là en l'occurrence c'est le 10e, et sur le nombre de coups maximal que vous devez faire pour ne pas perdre de points. Bon, t'as fini les boules, là, foutez le camp. Donc là c'est le trou 10 par 4. Ce que vous voyez en haut, au centre de l'écran, le truc qui bouge là, voilà, c'est tout simplement la position du trou. Il est à 400 yards et c'est tout droit, voilà, ni plus ni moins. Ce que vous voyez en haut à droite, la flèche bleue ainsi que la tête du bout avec le 1 mètre seconde que vous voyez. C'est tout simplement le sens, la direction et la force du vent. Parce que le vent est un aspect véritablement très important dans ce Mario Golf Toadstool Tour. Là en l'occurrence, on est sur un vent qui est très faible, qui est à 1 mètre seconde, le maximum, étant de 9 mètres par seconde. Là, la balle sera très grandement influencée par la force du vent. En dessous du vent, il y a tout simplement notre score. Voilà, je suis à plus 0, plus ou moins 0, je suis à 0 points, ce qui est normal. Ensuite, en bas, à gauche, le B1, ça c'est tout simplement le club que j'ai, que j'ai dans la main. Donc les bois, les fers, le PW et le AW, voilà. Et vous avez également le putt, voilà, et le SW aussi. Vous avez également le putt, voilà, pour le green. La différence en fait entre ces différents clubs, c'est tout simplement leur puissance, voilà. C'est tout simplement leur puissance, tout en sachant qu'avec les boutons L et R, vous avez la possibilité de choisir la puissance en fonction du club que vous avez, mais vous pouvez choisir un repère de puissance. Voilà. Donc, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de changer de club pour pouvoir taper à cette puissance-là. Même avec le club le plus puissant, vous pouvez taper à cette distance-là. Ça vous donne un repère qui est en bas au centre, voilà, sur la grande jauge jaune. Quelle est la différence, vous allez me dire? Eh bien, la différence, c'est tout simplement la trajectoire et l'inertie de la balle. C'est-à-dire, si jamais je mire à fond, là, regardez, on était à 179 yards. Regardez la trajectoire de la balle. Voilà, donc là, on a un club à 176 yards, ce qui est plus ou moins la même chose. Mais vous avez vu à quel point la balle prend une immense courbe. C'est-à-dire, elle va partir véritablement très haute. Ça va être la différence. Alors qu'avec un club plus puissant, normalement, si jamais je tire à la même distance, la balle va avoir une trajectoire beaucoup plus basse. Ce qui influence la balle. Pourquoi? Parce qu'elle va prendre beaucoup de vitesse et elle va prendre de la vitesse en rebondissant. Voilà, donc ça c'est une des subtilités de gameplay de ce Mario Golf Toadstool Tour. Mais bon, nous on est au premier coup. Ce qu'on veut essayer c'est de tirer le plus loin possible, normalement. Donc ça, je vous l'ai expliqué. Ce que vous avez en bas, normal, puissant, c'est le style de frappe que vous voulez faire. Ou un coup normal, c'est-à-dire on va tirer à 280 yards, ou un coup puissant, qui nous permet de tirer beaucoup plus loin. Sachant que des coups puissants, comme vous pouvez le voir, c'est limité. Voilà, c'est limité, on a uniquement 3 coups. On a uniquement 3 coups pour 9 trous. Si vous faites les 18 trous, eh ben on en aura 6. Voilà, ce qui est logique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter ce trou-là, et au deuxième... Et hop là... Fuck, je me suis bien planté, malheureusement. Ah, c'est la vidéo, il faut que je foire, putain de merde. Bon, heureusement, c'est un coup pour rien. C'est un coup pour rien, oh là 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 là. Évidemment, il fallait que je foire, évidemment. Hop là. Donc là, j'ai réussi à faire un bon truc, mais... Elle va partir très vite, elle va rebondir très vite, ça c'est pas bon. Mais où est-ce que je suis parti? Oh là là, je fais n'importe quoi. Bon, tant mieux, comme ça je vous montre ce qu'il ne faut surtout pas faire dans ce jeu. Oh, quoique j'ai fait une bonne approche. Ce qui est plutôt pas mal. Oh, j'ai tiré trop fort.
Ah non, c'est bon. Il a foutu le club au-dessus pour pas qu'il sorte. Putain, tant mieux. Tant mieux. Bon, bref, ça a très mal démarré. Voilà, cette vidéo a très mal démarré, évidemment. Et j'ai chaud, putain de Dieu. Je vais boire un coup et je vais enlever mon t-shirt parce que j'en ai plein le dos. Ah, putain de malchance de merde, j'y crois pas. Alors, donc, oui, pour vos oreilles, désolé. Donc, on passe au coup d'après. Donc là, cette fois-ci, c'est un par 3. Donc, il faut 3 coups minimum. Là, je suis à plus 1, parce que, tout simplement, j'ai mis un coup de plus qu'il ne fallait. Voilà, un coup de plus qu'il ne fallait pour pouvoir réussir le trou. Continuons les explications. La jauge jaune en bas, c'est tout simplement l'indicateur de votre puissance et de votre tir. Les boutons L et R gèrent l'indicateur de puissance. Vous avez également, comme vous pouvez le voir, un indicateur sur le terrain. Ce que vous voyez en blanc, c'est tout simplement les faces de terrain planes par rapport au rebond de votre balle. Ça, c'est quand même très important à le dire. C'est par rapport à l'atterrissage de votre balle. Ce qui est en rouge, c'est ce qui monte. Ce qui est en bleu, c'est ce qui descend, forcément. Pour pouvoir faire un swing, on expliquera un petit peu plus tard. Ce que vous voyez en bas à droite avec la balle ainsi que le petit taude et le plus moins 1%. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh ben, la balle, c'est tout simplement une indication qui vous montre où est-ce que vous allez frapper la balle, parce que vous pouvez la frapper sur plusieurs endroits, comme vous pouvez le voir. Là, je déplace le curseur sur la balle et ça me montre en temps réel la trajectoire que prendra la balle, voilà, ainsi que l'endroit où elle va atterrir. Sachant que c'est une chose que l'on ne peut pas faire manuellement. En fait, c'est, regardez, dès qu'on lance, il faut qu'on bouge le joystick. Dès qu'on commence une frappe, on bouge le joystick à droite à gauche pour pouvoir influencer la balle telle qu'on le souhaite. Comme là par exemple, hop là, je suis pile dedans, c'est là où je voulais frapper. Voilà, donc à vous de bien utiliser ça, c'est une technique avancée, hein, bien sûr. Mais sinon, la jauge en bas, ça, c'est tout simplement la jauge de force, comme je vous l'ai dit. Mais c'est également le repère pour pouvoir réussir votre coup. Une pression sur le bouton A, une autre pression sur le bouton A ou B, et une nouvelle pression sur le bouton A ou B. Quelle est la différence? Quand vous appuyez sur le bouton A une première fois, la jauge bleue part. La jauge part, c'est-à-dire que ça va jauger la puissance que l'on veut mettre. Une fois que l'on a choisi la puissance que l'on veut balancer dans un coup, on réappuie soit sur le bouton A, soit sur le bouton B. La différence, c'est que le bouton A vous permet de faire un swing automatique et le bouton B vous permet de faire un swing manuel. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est qu'en fait, la première pression, la première pression sur le bouton vous indique la force. La deuxième pression vous indique le mode de swing. Et la dernière pression vous indique la trajectoire de la balle. C'est-à-dire, ce que vous voyez en rouge, en dessous du A qui clignote là, ce que vous voyez en rouge, c'est la marge d'erreur. C'est-à-dire, c'est la marge d'erreur pour pouvoir réussir votre tir. Si jamais vous n'êtes pas pile au centre, la trajectoire de la balle sera influencée. La trajectoire de la balle sera influencée. Par exemple, si jamais je suis trop, j'ai appuyé et que l'indicateur de trajectoire est trop sur la gauche, ma balle partira complètement sur la droite. Et inversement, si l'indicateur est à droite, la balle partira plus sur la gauche. Donc il faut véritablement faire attention à cela. Mais pour ce qui est de la deuxième pression, à savoir sur le bouton A et le bouton B, ou le bouton B, voici la différence. Ça, c'est un swing auto. Hop. Tout simplement, l'ordinateur a fait le swing de trajectoire pour moi. C'est-à-dire, tu peux être sûr que le tir sera dans la marge d'erreur. Par contre, tu ne sais pas si jamais ce sera un bon tir ou pas. Comme là, par exemple, il l'a fait un petit peu trop sur la droite, donc ma balle est partie sur la gauche. En revanche, appuyer sur le bouton B pour choisir la puissance, ça nous permet de faire un swing manuel cette fois-ci. Donc c'est à nous de bien réagir. Hop là.
Là, par exemple, je suis un petit peu trop sur la gauche, donc ma balle va partir sur la droite. Et c'est de cette façon que se joue ce Mario Golf Toadstool Tour, alors que je me rends compte que la couleur du green est en train de vous exploser les yeux, hein, mais même sur ma télé. Hein. C'est impressionnant. Hop là, ah, je crois que ça va pas être assez fort. Et si c'est bon. Si c'est bon, impeccable. Ouh, je vous ai expliqué une très grosse partie du gameplay. Voilà, donc les potes, c'est exactement la même chose, sauf que là, on a uniquement la puissance à évaluer, et ça s'arrête là. On a la technique d'approche, qui est un style de tir complètement différent. Alors que là, on a un événement climatique qui est très intéressant, et très chiant surtout, la pluie. À quoi sert la pluie dans ce jeu ? Eh bien, la pluie a une influence sur votre balle, à savoir, elle la ralentit, que ce soit en l'air ou sur le sol. Donc pour le coup, il va falloir tirer plus fort que prévu pour qu'elle puisse arriver à bonne destination. Donc là, c'est pour ça que je vais faire un coup puissant en essayant de ne pas le foirer. Hop là ! Voilà ! Ah oui, il y a une autre subtilité de gameplay, c'est ce que je viens de faire là, le super top spin. Ça, c'est une des capacités des personnages. Quand vous faites un swing manuel, et je dis bien manuel parce que c'est uniquement durant les swings manuels, si jamais vous appuyez sur le bouton A, la balle aura un comportement normal. Si vous appuyez sur le bouton B, la balle sera légèrement ralentie durant sa course parce qu'elle aura un effet contre le vent. Enfin, un effet de backspin, si vous voulez. Si vous appuyez deux fois sur le bouton A, vous faites un top spin. C'est-à-dire, la balle va accélérer dans une traînée de flammes. Si vous appuyez deux fois sur B, elle fera un backspin. Donc, cette fois-ci, elle va essayer. Parce que ça ne marche pas à tous les coups, évidemment. Ça dépend de la façon... ça dépend du rebond de la balle, en fait, tout simplement. Comme là, par exemple, je vais essayer de faire un backspin. Parce que, vu que elle atterrit à une hauteur plus haute que moi, donc pour le coup ce que je vais devoir faire c'est essayer de la ralentir, donc pour le coup il me faut un backspin. Alors, au final je vais faire juste B parce que je n'ai pas atteint la puissance que je voulais, voilà, donc on va pas essayer de la faire reculer plus que prévu, comme ça, ça suffit. Et vous avez également le super top spin et le super backspin. Le super top spin se fait en appuyant sur A et B, et le super backspin en B. Il se fait en appuyant sur B et A. Voilà, voilà. Donc là, il pleut. Le trou est à 7,40 m. Donc pour le coup, par défaut, l'indicateur de puissance m'indique 7,40 m. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il pleut. Donc la balle est influencée par la pluie. Et en plus, le terrain est complètement plat. Donc pour le coup, il faut que je mette l'indicateur sur le côté. Je pense que là, ça ira. Et il faut surtout que je tape bien plus fort. Donc on va tirer vers les 9 m à peu près, je pense. Hop là. Alors ce que ça donne, et même ça c'est pas assez, vous voyez, donc la pluie a une très grosse influence sur le comportement de la balle. Et voilà, vous savez jouer à Mario Golf Toadstool Tour, et au final moi c'est quelque chose que j'apprécie grandement. Je vais essayer de me dépêcher hein, concernant les... Hop là, on va essayer de terminer les... le parcours, sachant qu'il me reste 4 trous, donc on va essayer de faire ça rapidement. Avec Donkey Kong, de toute façon, ça devrait le faire. Donc hop là, on va passer par-dessus l'arbre, une vitesse de vent de 2 m/s, c'est pas vraiment très, très influençant. Hop là, donc on va faire un plutôt, bon, normalement ça devrait bien se passer, même si c'est un peu trop à gauche. Attention, ouf, fuck, on est dans l'avant-green. Qu'on peut faire un pote. Attends, hop là, on va mettre à 11. Ah oui, le truc que je ne vous ai pas indiqué, c'est le chiffre avec le petit Toad. Plus 3%, moins 3%. En fait, c'est la marge d'erreur de puissance. C'est-à-dire que là, vous êtes sur une surface qui est telle qu'il se peut que vous ayez une marge d'erreur entre moins 3 de puissance et plus 3 de puissance. Donc il va falloir faire attention à cela. Yep, ça me paraît bien. Bon, là, c'est à 0. Oh, magnifique. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc, et voilà, le but étant, évidemment, de finir les trous
dans le moins de coups possible. Là, pareil, 2 mètres secondes. Hop là. Oh, j'ai fait beaucoup trop fort. Par contre, beaucoup trop fort, certes, mais un tir bien droit. Hein. Parfait. Un tir parfait pour le coup. Hop là. Vous avez une explication sur à quoi sert le backspin. Petit plus 1% de puissance, on s'en fout. Voilà, c'est gratuit. Et on passe au suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez terminé. Jusqu'à ce que vous ayez terminé le. Yep, le. Ouh là là, l'échec total, regarde-moi ça. Et c'est l'échec. L'échec total. J'ai complètement foiré mon tir là. Obstacle d'eau. Donc à chaque fois que vous rentrez dans un obstacle d'eau, ça vous rajoute un coup. Voilà, là c'est bien mieux là. Oh, par contre, elle va prendre beaucoup de vitesse au rebond. Ralentis s'il te plaît. Ça n'a pas suffi. Hop là, ça c'est une approche. Vous voyez? Ça par exemple, c'est une approche. C'est un coup normal, mais avec des fers qui donnent une approche beaucoup plus précise. Bon, le petit bogey, hein, je l'ai pas volé. Tant pis, tant pis. Allez, il nous reste deux petits trous. Et après, on va pouvoir passer, je sais pas, peut-être passer à un autre... à deux, trois trous, certainement. Ah, regardez, là, c'est très intéressant. Vous voyez que le terrain, là, en fait, il fait un zigzag. C'est-à-dire, il part à droite, il part à gauche, il revient à droite, et il repart vers la gauche. Là, le souci, c'est que j'ai des arbres en face de moi, et qu'il faut que je fasse ce trou en par 5. C'est là où le fait d'avoir un personnage comme Donkey Kong va être véritablement utile. Parce que là, il possède un effet qui est très intéressant pour moi. Parce que là, il part à gauche et il revient à droite. Donc on va faire un coup puissant, on va essayer de passer entre les arbres. Une petite astuce, c'est qu'on va essayer de faire gagner de la hauteur à ma balle pour esquiver au maximum les arbres qui sont en face de moi. Parce que ça, c'est un petit défaut. Parce que là, vous voyez l'indicateur, il me dit... comme quoi, je ne touche pas l'arbre. Voilà. Il me dit comme quoi, je ne touche pas l'arbre. Mais le problème, c'est que la hitbox des arbres, des fois, elle te dit d'aller te faire foutre. Donc, pour le coup, il faut vraiment essayer de les esquiver. Même si l'indicateur me dit que je ne touche pas l'arbre, il faut quand même mieux que j'assure. Donc, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est on va viser bien plus haut. Ah, quoique, hop là. Voilà, c'est mieux comme ça. On va essayer de viser bien plus haut et de faire prendre à la balle une grande trajectoire ascendante pour essayer d'esquiver l'arbre et ainsi arriver jusqu'à là-bas. Normalement, ça devrait le faire. Attention! Attention! Et c'est passé! Impeccable! Et là, j'étais limite obligé. Si jamais je veux faire un bon résultat sur ce trou, j'étais obligé de tirer comme ça. Pourquoi? Bah parce que Donkey Kong, encore une fois, trajectoire de gauche vers la droite. Si jamais j'étais atterri, vous voyez, un petit peu en retrait sur la gauche, bah là j'aurais été vraiment dans la merde, parce que du coup l'effet de ma balle, il partirait directement dans les arbres. J'aurais plein d'arbres en face de ma gueule, et j'aurais été obligé de faire un tout petit coup pour revenir là. J'aurais été obligé de faire du bricolage, quoi, au final. Donc là, pour le coup, on va essayer de faire ça, ça me paraît bien. Hop là. Ah, j'ai encore raté la trajectoire, hein, putain. Ça m'emmerde vraiment. Et on est dans l'avant-green. Ah, il y a moyen de faire un petit eagle. Il y a moyen de faire un petit eagle. Allez, tu sais quoi, on va la mettre là et à 10 mètres. Hop. Moins 1% de puissance. Ah, salope. Saloperie. Putain, ça aurait été magnifique. Mais malheureusement, non. Hop là, voilà. Donc le trou 17 est fait. On fait le dernier trou. Sinon, malheureusement, eh ben, je ne peux pas vous dire grand-chose. Pourquoi? Parce que je trouve que ce jeu n'a pas de défaut. Le gameplay répond très bien. Les capacités avancées que l'on va nous demander plus tard pour pouvoir réaliser certains trous, eh ben, au final, ça fonctionne quand même très bien. Regardez, là, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de passer à travers les arbres pour pouvoir gagner de la puissance. Mais pour cela, il faut que je frappe ma balle sur sa droite. Attention!
normalement ça devrait le faire. Oui, oui, large, impeccable. Mais voilà, au final, moi ce jeu, je le trouve toujours excellent. Il a un gameplay qui est véritablement très bon, il n'a pas pris une ride. Bon, évidemment, niveau texture, hein, voilà, on est sur GameCube, hein, faut pas abuser. Mais véritablement, je trouve qu'il a très très bien vieilli, que ce soit dans son gameplay, dans son esthétisme, dans ses tracés, dans ses parcours, même si il est quand même un peu moins foufou que... il est un peu moins foufou que l'opus sur Nintendo 64, qui avait des parcours beaucoup plus fantaisistes. Mais bon, c'est comme ça, je veux dire, ça c'est un petit peu dommage, voilà, c'est pas un défaut, mais c'est dommage. Un truc par contre que je trouve vraiment, vraiment pas cool, ils ont enlevé le mini-golf. Souvenez-vous, dans Mario Golf sur Nintendo 64, on avait tout ça, on avait le mini-golf. On avait je sais pas combien de parcours, peut-être une cinquantaine je crois. Je crois qu'on avait presque une... Enfin, plus une trentaine, je pense. Mais on avait plus d'une trentaine de petits cours, comme ça, en mode mini-golf. C'était génial, moi je trouvais ça excellent. Ils l'ont enlevé dans ce Mario Golf, c'est dommage. C'est vraiment dommage, parce que... Avec un petit peu plus de fantaisie, et un parcours à 18 trous de mini-golf, ça aurait pu être génial, avec pas mal de petits événements, je ne sais pas, ça aurait pu être cool. Malheureusement, non, ils l'ont enlevé. Et Missa pas content. Voilà. Missa vraiment pas content. Parce que voilà. Donc on va reprendre Mario. On va refaire une partie coup par coup. Je vous ai présenté absolument tout. Hein. Alors oui, on devait faire voilà, le défi Birdie. Mais écoutez, on ne le fera pas. Parce que je vais vous montrer une petite partie sur, admettons, allez, sur celui-là. Voilà, sur le domaine de Peach. Parce que c'est quand même... C'est plein de fanservice et de petites idées assez sympathiques dans le gameplay. Notamment, comme ce que vous pouvez voir là. Oh, il n'y a pas de vent. Vous voyez ces tuyaux là? Les tuyaux sont en fait des raccourcis. Comme là, par exemple, si jamais je tire sur le vert qui est là, ma balle va arriver directement. Elle va sortir par le tuyau vert là-bas et atterrir directement dans le green. Ah, ça fait partie des petits raccourcis. On a également le bleu, là. Le bleu qui agit comme un tunnel. Si jamais j'envoie la balle dedans, elle va atterrir par là-bas. Ce qui est un petit peu inutile, parce que comme vous pouvez le voir, hein, avec Mario, j'atteins directement l'endroit. Voilà. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Néanmoins, ça peut être intéressant d'essayer de viser le tuyau. Allez, il n'y a pas de vent, on essaye. Allez. YOLO! Ah putain! La trajectoire n'est pas très bonne! Allez! Rentre dedans s'il te plaît! Et non! Complètement raté! Eh ben tant pis! Voilà, tant pis, on s'en fout, c'était un coup pour du beurre! Oh oui! Regardez le petit truc là, c'est vrai, je viens de m'en souvenir! Je vais tirer exprès dans les fleurs! Regardez ça! Ah, on a à peine vu, mais vous savez, il y a des Pikmin qui sont sortis du parterre de fleurs. Je trouve ça génial, je trouve ça excellent. Bon, par contre, on va recommencer. Oh, quoi que non, on va pas recommencer, on s'en fout. Complètement foiré mon coup. Allez, Osef Mario, c'est un coup dans le vide. Avec évidemment la musique qui va bien. Oh, ça c'est un bon coup, ça, dommage. Ah, le green qui descend à mort. C'est dégueulasse. Hop là, il y a une grande montée. Ça devrait suffire, voilà. Donc double bogey, on s'en fout. Allez, on passe au suivant. Et puis voilà, putain, le coup des Pikmin. La première fois que j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça génial. Donc sachant que là, on est dans les terrains les plus difficiles. Hein, c'est-à-dire les tracés sont véritablement corsés. Et en plus d'être corsé, il y a beaucoup d'obstacles, comme là par exemple, vous voyez ces champignons, ils sont sympas, hein. Ne tirez pas de balles dessus parce que ça, c'est le même effet qu'un trampoline, voilà. Les chompes, pareil, les chompes peuvent éventuellement renvoyer votre balle, mais éventuellement seulement, si jamais la balle rentre en contact avec eux. Si jamais ce n'est pas le cas, la balle va rouler là où ils sont, et ça va être considéré comme étant du hors-limite, je crois. Je vais voir ça, voilà, HL, hors-limite.
Donc pour le coup, on va essayer de tirer là-bas. Ça me paraît bien. Ouh, aïe, 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 aïe. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Pas une bonne puissance. Oh, puis là, je suis dans la merde parce qu'il y a un arbre pile devant ma gueule. Ouais, résultat, je suis obligé de faire un petit coup pour rien. Je suis obligé de faire un tout petit coup pour rien. Mais c'est bien parce que ça vous montre quand même des situations compliquées. Voilà, on va se dire que mes fails ont quand même un certain intérêt. On va se dire ça. Alors, hop là, comme ça, ça devrait être bon. Le super backspin. Attention, attention. Ah, ça a pas servi à grand chose, hein, super backspin, là. Oh, c'est dommage. Ça rentre, là. Ah, là, impeccable. Sachant que, en plus, on a la possibilité... Le jeu sauvegarde nos ralentis. Le jeu sauvegarde nos ralentis sur les meilleurs coups que l'on fait. On va faire ça, d'ailleurs, on va sauvegarder. Pour y revenir un petit peu après, pour terminer cette vidéo, on va terminer avec un ou deux coups. Je crois que c'est dans les options, record. Et voilà, regardez, il y a tous les résultats que vous avez fait, voilà. Mais il y a également vidéo de vos meilleures performances. Ça garde en mémoire nos performances, voilà. Donc là, par exemple, c'est un eagle. Ça vous montre que je n'ai pas fait de trou en un. Hein. J'ai pas fait de trou en un, j'ai pas fait d'albatros. Donc regardons par exemple celui-là. Ah bah sur le trou 2, sur celui que je viens de foirer, tiens. Alors, regardons. Regardons, regardons. Donc ok, donc le domaine de pitch. On va voir comment est-ce que j'ai géré. Ah, et c'est avec Mario classique. Il tire à 212 yards. Donc c'est Mario classique. Pas étoile. Ok. Oh putain, ça veut dire que je l'ai mis celui-là ? J'avais fait un super backspin. Ah ouais, oh putain, c'est bien parti. Oh là là, ce talent ! Ce talent ! Ah, c'est un beau talent quand même. Ah, c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Je sais pas vous, mais moi, je trouve ça magnifique. J'avais fait pareil avec Boyzer. Bécocotier, trou 13. Parce que faut faire gaffe, parce que des fois, si c'est un par 5... Eh, voilà, c'est un par 5, donc pour le coup, c'est pas intéressant. Je suis allé directement là-bas. Boyzer, c'est un des personnages qui tape le plus fort, hein, avec Flora Piranha. Donc ça arrive là-bas, ouais, c'est bon. On voit ce que c'est. C'est un coup normal, en fait. Ce que j'ai fait, c'est un coup normal. Rien de bien intéressant. Avec Donkey Kong, peut-être. Peut-être qu'il est cool, celui-là. Par 5, non, malheureusement, ce n'est pas intéressant. C'est dommage, il n'y a que le coup de Mario où j'ai véritablement assuré. Fou de ma gueule. Valet là qui tue, trou 18. Ah, un par 4. Ah oui, mais distance 350 yards. Comment j'ai fait ça? On regarde. Hein. Ouais, c'est le moment suçage de queue, hein, complet. Hein. Je m'auto-suce, mais un truc de malade. Hein. Ah, et j'ai dû faire une bonne approche derrière. Là, j'ai dû le foutre dedans. Un petit backspin. Oh merde! Ah voilà, avec ce plan de caméra, c'est bien mieux. Oh putain, direct dedans, hein, t'as vu? Impeccable. Ah, mais je n'ai plus ce talent, malheureusement, je suis devenu mauvais. Mais enfin bon, donc voilà, c'était la vidéo de présentation de Mario Golf Toadstool Tour. J'espère le revoir un jour, j'espère revoir Mario Golf, mais si c'est pour le dégueulasser comme Mario Tennis Aces, franchement, je pense que je vivrai très bien avec mes souvenirs de Mario Power Tennis et de Mario Golf Toadstool Tour, parce que voilà, Mario Tennis, franchement, ça a été... C'était même pas une déception à ce niveau-là, c'était au niveau au-dessus, quoi. Et le pire, c'est que c'est tout fanboyisme mis de côté, hein, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de fanboyisme dans ce truc-là, c'est juste des bons jeux. Voilà, on n'est pas fan d'un Mario Sport. On aime juste les jeux, mais être fan de Mario Sport, c'est un truc que je piche pas vraiment, mais au-delà de ça, je veux dire, merde, quoi. Je dis, les Mario Sport, c'est les trucs les plus efficaces. Sans déconner, c'est vraiment les jeux les plus efficaces et les plus simples à faire. Et au final, eh ben, on en fait cette soupe indigeste, quoi. Qui était Mario Tennis Aces, quoi. C'est vraiment con. Voilà, j'ai un peu foiré mon coup.
On en fait cette soupe indigeste et c'est véritablement très con. À quoi que j'ai foiré mon coup, je rentre direct dans le tuyau. Hop là, petit tunnel, passage sur le fairway rapide. Ouais, finalement j'ai fait un bon coup. Hein. Ouais, je peux atteindre le. Oula, je peux atteindre le drapeau direct. Alors, est-ce qu'on va avoir du beau jeu? Eh non. On va pas avoir du beau jeu. Tu vois cette balle qui va partir dans l'eau? Regarde là, regarde là. Et plouf. J'en étais sûr. Saloperie. Bon, au moins je peux faire une petite approche des familles. Désolé, je suis parti en couille. Mais c'était beau. C'était beau. C'était beau, putain. C'était magnifique. Bon, c'est pas aussi magnifique que le trou en un que j'ai fait dans ma review de Mario Golf sur le parcours de mini-golf. Mais putain, c'était bon. Bon, allez, écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous laisse là-dessus, donc Mario Golf Toadstool Tour, encore une fois, un excellent jeu. Je vous le conseille même maintenant, si jamais vous avez une Nintendo GameCube ou une Nintendo Wii, je vous le conseille à 300%. C'est des jeux qui, encore une fois, sont très efficaces et très fun à jouer, même en solo. Enfin là, c'est pas ultra fun, mais c'est vraiment pour la détente, quoi. Pour la détente, un bon petit Mario Golf de derrière les fagots, franchement, mais ça passe tellement bien. Ça passe tellement bien, donc je vous le conseille à 200%. En attendant, je vous laisse là-dessus. Je vous dis ciao à tous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était 69Zelos. Et bonne partie tout le monde. Ciao, bye bye. Nice bird.